Comme vous le constatez, je suis dans un bureau prestigieux. Voilà, je suis dans une société de prestige. Voilà, comme vous le savez très bien, mon concert c'est pour le 6 janvier 2024 au Palais de la Culture. Et quand tu as un bon cœur, quand tu es toujours là à tendre la main aux autres, je crois que la vie est une ronde. Tôt ou tard, ton tour va arriver. Je vous présente ici un monsieur qui lui-même va se présenter à vous. Qui a dit, mon fils, à Boudjou National, tu décides de faire ton concert au Palais de la Culture. Moi, je ne peux pas avoir une société où on imprime les 12 mètres carrés, les affiches, on fait les t-shirts, tout ce qui concerne, c'est-à-dire pour vos événements, que ce soit pour des concerts, que ce soit pour des publicités, que ce soit pour les campagnes politiques. Lui, ils ont une société qui se charge de faire tout ça. À Boudjou National, lui, il décide de m'offrir 112 mètres carrés. C'est-à-dire que les panneaux, quand vous promenez dans Abidjan, les panneaux là, lui décide de m'offrir. Mon âme va sortir ici. Il décide de m'offrir 100, je dis bien 112 mètres carrés, accompagné de 100 t-shirts encore. C'est-à-dire que vous ferez qu'on porte les t-shirts pour le concert. On dit ça encore 400, c'est-à-dire que à toi. Et puis 1000 flyers. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de majestueux? Donc pour cela, je suis venu ce soir ici pour lui dire merci, cet après-midi au moins, pour dire merci à mon grand frère, à mon vieux père. Lui-même, il va dire un petit mot. Et puis voilà. Le vieux. Ouais. Vas-y, la télé. Ok. Alors, merci, chers internautes. Nous ne sommes pas trop les hommes de direct, hein. Mais il faut dire que Stéphane, moi je le suis, Et je t'ai parlé quand il m'a appelé pour me dire, voilà, vieux, je veux venir te voir. Je lui ai déjà parlé dès que je rentre en secours et tout. Et quand il est venu, il m'a dit, sans embâche, tout de suite, j'ai adhéré à l'idée. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui m'a touché chez lui. C'est ce que je vais lui dire aujourd'hui. Avant, il était dans les clashs et tout. Beaucoup de petites dérives. Mais quand sa maman l'a recadré en tant qu'un bon enfant, il s'est vraiment rangé dans une certaine dynamique. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Pourquoi ne pas, n'est-ce pas, associer son image à quelqu'un qui écoute ses parents? Et nous, en tant qu'imprimeurs, ce qu'il a dit, effectivement, c'est vrai, on offre tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire sans affiche, 12 mètres carrés, 400 à 3, 100 t-shirts et 1000 flyers à 5. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Moïse. Donc, rendez-vous le 6 janvier. Ouais. On sera de la partie aussi, au Palais de la Culture. J'exhorte tout le monde à prendre son ticket. Je pense que ça sera disponible très bientôt. Ils vont communiquer dessus. Ouais. Voilà, donc, merci encore pour la confiance. C'est à toi d'en dire merci. Donc, comme il a dit, hein, si vous avez des affiches grandeur nature, vous pouvez nous contacter pour le faire. Je pense qu'il y a un numéro qui est sur le direct. Ouais. Voilà, donc vous pouvez nous contacter. Nous sommes en gré. Voilà, pour tout ce qui est t-shirt, affiche, grande bâche, big size, tout ce qui est affiche, vous pouvez nous contacter ici. Nos services seront très compétents pour vous faire le travail vraiment dans les délais requis. Et donc, merci Stéphane, merci encore à ton équipe qui n'a ménagé aucun effort pour être là ce matin. C'est déjà très intéressant. Merci à toi. Voilà ma nation, on ne va pas rendre long ce qui est déjà pour. La seule chose qu'on peut dire ici, c'est merci beaucoup à mon vieux père. Mais bien, c'est débrouillé. Pas de ton nom, hein? Ah ouais. Mais oui. Mon nom, c'est Madou Bekou Yves. Voilà, à l'état civil. Madou Bekou Yves. Mais on m'appelle communément le boss Bekou. Voilà. Le boss Bekou. Vous regardez les cheveux blancs, hein? Pauvre n'a pas ça sur sa tête. Nous on se cherche encore. Quand on va arriver à son niveau, c'est que vous me regardez le bureau. Voilà. Donc, Bekou Service,
et dans tout ce qui est comme imprimerie. J'aimerais ici maintenant m'adresser à tous nos dirigeants politiques. Nous sommes ici dans une phase des élections, des marchés et tout ça. Donc tous ceux qui ont envie d'imprimer, c'est-à-dire vos t-shirts, des affiches pour votre campagne, une seule adresse. Voici un monsieur qui décide de m'aider. Ça là, si il doit payer là, c'est beaucoup de millions. Mais comme il sait qu'à Poutou National, mes 10 francs, mes 20 francs que je gagne à travers Facebook là, souvent quand Dieu me met à cœur, j'aide les gens. Il ne peut pas voir son fils en train de vouloir aller faire comme ça au palais de la culture et puis ne pas venir l'aider. C'est pourquoi quand je dis viens, il dit mon fils, pour toi seulement là, tu n'as pas besoin de payer 5 francs. Viens à mon bureau, je vais te donner ce que tu as besoin de ça pour aller faire ton conseil. Donc en retour là, quelqu'un qui m'a aidé comme ça, c'est pourquoi aussi, s'il doit offrir cadeau à tout le monde et que personne ne vient, il va fermer la société. C'est ce qui est clair. Donc tous ceux qui doivent faire les campagnes, tu dois faire mariage, tu dois divorcer, tu as mis des t-shirts pour montrer que tu n'es plus ta femme ou ton mari. Lui, il fait ça. Le voilà qui est assis là. Tu veux te marier. Cérémonie de mariage, tu as mis des t-shirts, comme le fait mes frères de l'autre côté là. Arrivé ici, vous allez faire vos trucs comme il se doit. Donc le VP, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, on va passer maintenant à la phase de signature. Ouais. Voilà.